jour, j'étais seule et j'ai eu un projet, une vision du monde que j'avais envie de partager. Je me suis démenée avec la technique et avec le reste. Et puis, il y a eu un partenaire, une personne qui voulait écouter. J'étais heureuse, très heureuse. Et puis, il y a une deuxième. Nous étions déjà plusieurs. Et puis, il y a eu toi et toi. Et nous sommes arrivés à 300. Maintenant, nous formons une communauté. Et nous regardons le monde avec la même vérité. Mais maintenant, place à l'humour pour t'expliquer et te montrer comment tout a commencé. Bonjour, Patricia Valtus. Alors voilà, c'est le premier essai. Nouvel essai. Donc là, je suis en plein dans le soleil. Bonjour Patricia, je fais un essai. J'ai changé de lunettes. Je suppose que je dois m'habituer à mon image. Et à ma façon de parler. Encore un essai. Le premier essai d'une vidéo sur le livre d'une vie créative de Julia Roberts. Donc, je me sens bien sûr maladroite. Donc, voilà, ben, j'essaie de m'habituer. Et à la technologie aussi. Parce que je ne connais pas cet outil. Les lunettes, c'est un peu compliqué, en fait. J'ai une perche, j'ai mon GSM. Je dois pousser sur un bouton, mais le bouton ne marche pas. Je n'ai pas l'habitude du tout de ce genre d'outils, pas avoir trouvé l'angle. Pas soit, c'est ça le challenge, le fun d'une vie créative, je suppose. La lumière, le look, la façon de parler. Donc j'essaye, je n'ai pas peur du ridicule, enfin si j'ai peur mais je passe au-dessus. Alors maintenant, il y a le problème de nez rouge. Et donc, comme je suis dans un programme de vie créative, et bien ça fait partie du jeu. Voilà. Ah, je suis contente que tu es plongeant. Et je suis le programme. Et de ne rien voir. Donc voilà, je n'ai pas de lunettes. Alors, c'est le programme de Julia Roberts, Une vie créative. Donc, si je veux présenter... Je veux présenter Julia Roberts. Je ne vois rien. Donc, si je dois lire, je ne saurais pas lire. Mais voilà, une chose à la fois. Voilà, là, je vous laisse parce que je suis à bout de souffle. Et... si j'ai décidé de passer au-dessus de mon inconfort et de mon malaise par rapport à l'outil vidéo, c'est parce que je me dis que ce programme, il a l'air génial. Et alors, si on le faisait ensemble? Si on le faisait ensemble.